Écoute, Alain, tu es terrible. Ça fait 4 jours qu'on est là, pas le moindre petit flirt, pas la moindre petite romance, rien. Franchement, pour ta réputation de tombeur et pour la presse, si tu permets, ça la fout hyper mal. Mais je sais pas si t'as remarqué, on fait 200 km par jour, on est sur la brèche du matin au soir. Bah et alors, un beau garçon comme toi en pleine forme, faut savoir si tu choisis entre ta carrière ou ta santé. Ouais. Écoute, demain, promets-moi de faire un petit effort pour la jolie fermière, d'accord? Ah, ça on va voir, oui. Ça va, Mylène, bien arrivé? Ah, vous voilà, vous. C'est vous qui êtes dans la suite à côté de la mienne? Oui. J'en suis ravie d'ailleurs. Ah ben, moi, pas du tout. Parce qu'à répéter vos chansons toute la nuit, vous m'avez empêché de dormir. Salut! Le Trillon. Alain, je voudrais que vous me pardonniez pour tout à l'heure. J'étais un petit peu énervée, je suis désolée. Ça n'a aucune importance, écoutez. J'ai rendez-vous avec mon amie Jane Birkin pour faire un petit duo. Et elle est charmante. J'espère qu'elle a bien dormi, elle, au moins.
On s'en va pas. Alain, on regarde les photographes. Par ici. Allez, les photographes. Par ici à droite, là. Allez-y. On se sourit. Merci. On se regarde. Mylène, on s'aime, on s'aime, on ne peut plus.